Hey, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va rénover un logement universitaire, ce que j'avais fait Halloween. Oula, c'est quoi tous ces bugs? J'appuie sur les boutons, ça me fait aller partout. Ok, et du coup, quand Halloween, on va rénover un logement, donc le même, mais en version nouvelle, bien évidemment. Donc j'ai sélectionné plein d'objets et on va commencer déjà par faire les lumières. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais faire mon côté, je vous montre, je fais un truc de mon côté, je vous montre, et puis voilà, on fait un peu tout ça comme ça pour que ça aille un peu plus vite. J'ai fini de rénover quelques petits trucs, donc j'ai fait l'extérieur en passage parce que je me suis dit bon, je vais le faire comme ça, ce sera fait. Donc j'ai, en fait, j'ai remarqué que dans le pack fête de fin d'année, en fait, il y a le truc de sable, j'avais déjà vu. Il y a un autre petit bonhomme de neige, et en fait, c'est pas un bonhomme de neige, c'est un bonhomme de sable. Donc je trouve ça très joli, voilà. Du coup, quand on regarde sur la première terrasse du devant ici, oui, le sapin, des trucs comme ça, j'ai fait l'écran de salle, donc décoré partout. C'est vrai que moi, il m'inspire plus qu'Halloween quand même. Et de l'autre côté, j'ai fait une petite salle où ils peuvent manger. Et je trouve ça très sympa. Donc voilà, plein de décorations. Et puis quand on monte, après, on n'a rien sur celle-là. Donc je me suis dit, pourquoi mettre un petit baby foot, un truc pour jouer, tout ça. Mais voilà, je n'ai pas mis le jeu, je vous laisserai le faire vous-même. Et ici, j'ai quand même changé un petit peu les salons comme j'avais fait la dernière fois. Et j'ai mis la nouvelle chemise. Donc voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et puis j'ai passé aux décorations des chambres. Et je vous retrouve tout de suite. Et j'ai fini de décorer les petits dortoirs, ça va bien. Donc je vais vous montrer quelques chambres, mais c'est à peu près la même chose à chaque fois. Donc sur deux, j'ai mis cette lampe partout dans toutes les chambres. Et dans les salles de bain, j'ai mis celle de Via la Campagne. Sur les armoires, j'ai toujours mis des petites cartes. Comment ça s'appelle ça? Décoration du jour, ferrier bocal. Ok, bon, on va dire des sapins en bocal. Une petite figurine et des bougies un petit peu. Et en fait, je vais vous raconter un petit truc. En fait, il y a 4 bougies. Et en fait, c'est une tradition allemande, si vous connaissez pas trop. Mais en Allemagne, on doit fabriquer une couronne allemande avec 4 bougies. Et chaque dimanche, on doit en allumer une jusqu'à Noël. Donc je me suis dit, ce serait sympa, voilà. Même si on n'est pas vraiment en Allemagne, mais voilà. Donc c'est à peu près pareil à chaque fois. Donc voilà, figurine, 3-4 bougies, un bocal, des sapins, des cartes. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire. Hein. C'est pas grand-chose, puisque c'est comme ça, voilà. Et du coup, j'ai envie de vous faire juste une petite visite comme ça. Parce que je vais juste vérifier combien de temps ça fait que je tourne. Hein, mais hop. Ça fait pas si longtemps que ça, donc bon, on peut se permettre, je pense, de vous faire une petite visite comme ça. Bon, ça va prendre un peu de temps quand même hein, d'avancer. Allez, donc, vous voyez que là on a un petit bonhomme de neige, un Père Noël qui fait du surf, un petit sapin avec une casse-noisette. On rentre dans une petite couronne. Hop, on arrive par ici, on a une table, on a ça, une couronne en bar avec des cadeaux derrière le bar. On a une table juste ici, puis après on a une première porte qui va mener dans un couloir. Une première chambre, donc je pense que c'est un peu la chambre pour un peu prioritaire parce que... ta porte rien qu'à toi, genre tu rentres pas dans le couloir, enfin je sais pas trop pour qui aller pour cette chambre. J'aimerais bien faire quelques étudiants pour chaque chambre, tout ça, j'aimerais bien faire ça. Donc là on a une salle de bain, hop. Ici on a une première chambre, et puis de l'autre côté, non, juste par là on en a loupé une, mais non, on n'a pas loupé. Attendez, là on a une première chambre. Ah, faut passer par un couloir pour une deuxième chambre. Et par ça, on a une autre chambre. Et donc, je vais là-bas. On se retrouve avec la chambre de tout à l'heure. Voilà. Hop, je vais pouvoir me remettre. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et puis après, je vais pouvoir vous montrer un petit peu quand on monte par les escaliers. Hop.
Donc on arrive par les escaliers, après on voit la grille. On arrive dans un petit salon avec des petits cadeaux, une cheminée. Attendez, on va se reculer peut-être pour la voir. Ah non, on peut pas la voir. Un petit salon, un endroit pour aller manger, plein de tables. On peut aller voir la terrasse, c'est plutôt pas mal. Hop. On peut voir en bas des petites décorations. On a ceci, puis voilà. Hop. On peut passer par cette porte. Donc, tout d'abord, une salle de bain, pardon. Une première chambre. Puis une. Non, ça c'est pas une chambre. Voilà, une deuxième chambre. Puis quand on traverse tout le petit cafétéria, hop hop hop, on peut aller là-bas. Voilà, on y est enfin. Une salle de bain. Ça, et puis ça. C'est toujours à peu près la même chose. Et puis, si on rentre par cette petite porte-là, on arrive sur une salle multimédia. Puis, si on avance, tout simplement, et hop, une salle de bain avec des petites toilettes. Hop. Et les dernières toilettes. Ah non, ça c'est vide. Et bon, voilà pour cette petite rénovation. Ça a duré moins de temps quand même que la première parce que j'étais largement plus inspirée. Et du coup, je suis contente d'avoir rénové ça. Donc, hop, je vais le mettre en mode nuit. Ça peut être joli. Voilà, c'est tout mignon en mode nuit. Voilà. Donc voilà, je vais le mettre comme ça. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !